Oui, c'est Sylvie, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. Très récemment, on m'a demandé de fabriquer des doubles rideaux. C'est ce que j'ai fait et je me suis dit, voici un sujet qui pourrait peut-être aussi vous intéresser. Vous allez voir également dans cette vidéo que j'ai trouvé une astuce pour les accrocher parce que je n'avais pas tout à fait assez de tissu. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous sans plus tarder, bien, à l'atelier, le temps juste de m'y installer. Allez, je compte sur vous. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Pour réaliser notre projet, voici les fournitures que je vous propose. Bien entendu, comme il s'agit de rideaux, il nous faudra un textile, un tissu. Pour ma part, eh bien, j'ai choisi ce tissu en lin, 100% lin. C'est une fabrication française. Il s'agit de jolies pivoines. Alors bien sûr, le tissu, c'est en fonction de votre décoration que vous avez choisie. Il vous faudra vos outils de couture. Ciseaux spécial textile, des épingles, quelques pinces, vos petites notes qui vont préciser eh bien tout simplement votre relevé de dimension. Et puis pour ma part, je vais utiliser, vous allez voir, ce textile. C'est un Je ne vais pas fabriquer mes rideaux traditionnellement puisque je vais moi-même réaliser mes fourreaux et j'ai choisi cette maille. C'était un ancien rideau je trouve qu'il se marie très bien avec mon lin et ça fera une petite fantaisie qui ne me déplaira pas. Je vous montre dans un instant comment alors je vais réaliser mes fourreaux avec ce tissu filet. Allez, nous pouvons commencer. La première chose à faire, c'est de couper son tissu. Il faut bien entendu vérifier le sens de son tissu. Et travailler, bien sûr, en fonction des mesures que nous avons prises. Je mesure et je coupe. En haut de mon tissu, je vais tout simplement faire un petit rabat comme ceci pour avoir tout simplement quelque chose de propre. Je vais placer des épingles et je fais ceci sur toute ma longueur de mon rideau. Voilà, donc j'ai bien tout épinglé, il ne me reste plus maintenant qu'à aller coudre à la machine une petite couture droite. Alors de retour à la table de travail, donc nous avons réalisé le haut, la propreté du haut de notre tissu pour notre rideau. Maintenant je vais m'attaquer au côté. Ici, il y a la marge, je vais l'utiliser, la retourner tout simplement et réaliser une petite couture pour tout simplement avoir quelque chose de propre. Je vais donc retourner le bord de mon tissu comme ceci, j'épingle et j'irai coudre à la machine ma couture, ma propreté du côté. Il ne me reste plus qu'à aller coudre à la machine. Et voilà, je suis de retour à la table de travail
Et bien sûr, on réalise cette propreté sur les deux côtés, sur les deux hauteurs, bien entendu. Alors maintenant, il s'agit de trouver une astuce pour accrocher votre rideau, bien entendu, à votre tringle. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez ce type d'anneau, c'est des crochets anneaux, qui vont tout simplement emprisonner votre tissu et vous pourrez ensuite passer votre tringle à l'intérieur. Il se compose de deux pièces, ici bon c'est un... Vous placez tout simplement votre anneau, vous marquez l'emplacement en respectant bien sûr des intervalles réguliers entre chaque anneau. Comme je vous disais, l'anneau est en deux parties, vous placez le bas de l'anneau, puis ensuite vous mettez le haut de l'anneau, vous clipsez et votre tissu est tout simplement emprisonné à l'intérieur de l'anneau. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, vous avez aussi le célèbre galon fronceur, comme ceci, que vous allez tout simplement travailler au dos de votre rideau en cousant celui-ci. Et vous pourrez mettre des petits crochets et des anneaux, par exemple en bois ou en fer ou en plastique, enfin selon la tringle que vous avez choisie. Il s'agit donc de coudre dans ce cas-ci votre ruban fronceur en haut de votre rideau. Donc on parle dessus. Mais moi je vais choisir une autre manière de faire, je vais réaliser tout simplement un fourreau. J'ai choisi ce tissu, un reste de tissu que j'avais et qui me plaît beaucoup et qui se marie très bien avec mon rideau. Donc la première chose à faire, c'est de réaliser ce fourreau. Donc j'utilise ici des pinces. J'ai choisi un morceau, une pièce de 25 cm. Donc je rabats comme ceci. Et je place ici des pinces pour pouvoir réaliser tout simplement un ourlet sur toute la longueur. Voilà, je viens donc de coudre mon petit fourreau. Je vais maintenant l'installer sur mon rideau. Je place tout simplement mes épingles sur toute la longueur et ensuite j'irai coudre la machine. Voilà, j'ai assemblé donc mon fourreau et mon tissu. Je n'ai plus qu'à aller coudre à la machine. Et voilà, j'ai donc cousu mon petit fourreau pour pouvoir passer ma tringle. Maintenant, ben, je vais repasser bien entendu et puis je vais réaliser aussi un petit ourlet juste pour que ça soit propre aussi, pour avoir une finition parfaite. Et voilà, nos deux rideaux sont réalisés. Il ne reste plus qu'à les repasser, bien entendu, et puis ensuite, eh bien, à les accrocher à nos fenêtres. Cet atelier est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part et bien rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, prenez soin de vous et de votre entourage. A bientôt les amis !